tous, petite vidéo consacrée à un périphérique, c'est signé NZXC, c'est pour les joueurs, ça s'appelle le U2 Ambiance RGB Lighting Kit. Alors de quoi s'agit-il? On a ici un système de LED, c'est pas pour sublimer votre matériel, mais ça va permettre d'améliorer normalement l'immersion en pleine partie de jeu vidéo, donc en jeu vidéo. Comment ça fonctionne? On place ces petites bandes LED à l'arrière du moniteur, on les relie à un petit contrôleur qui lui vient se connecter en USB au niveau de votre PC. Petite application cam sous Windows, on active un effet qui s'appelle l'effet ambiant et normalement on a une correspondance, une synchronisation entre ce qui va se passer à l'écran en termes de couleurs et d'effets et de ce qui est appliqué au niveau des bandes LED. Et donc du coup si le moniteur est assez proche d'un mur, on a ici une réverbération avec une sorte de duplication de l'environnement du jeu vidéo sur le mur. Donc normalement ça devrait vraiment améliorer l'immersion. Ce que je vous propose, on regarde ensemble le contenu du bundle, c'est positionné à 99€ et on regardera également en fin de vidéo quelques petits exemples de ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Au niveau du bundle, alors on a deux petits fascicules vous expliquant comment tout ceci se met en place et fonctionne. On récupère au niveau de votre kit, puisqu'il y a deux kits qui sont disponibles en fonction de la taille de votre écran. Donc ici on a 8 bandes LED livrées en standard, 4 en 300 mm et 2 en 250 mm. On récupère le petit boîtier de contrôle que je vous disais avec deux entrées RGB, la connectique USB pour le connecter au PC et puis bien sûr fiche secteur. Et tant qu'on parle de secteur, vous avez ici le petit module externe au niveau alimentation. On récupère également le câble USB indispensable pour la connexion au PC. Les petits câbles vous permettant d'obtenir deux canaux RGB avec vos bandes LED. Et enfin, un petit kit ici de nettoyage et du scotch d'avance, puisqu'il y a eu quelques petits soucis sur les premiers kits. Donc du coup, une ZXT ne prend pas du tout de risque. Et donc même si tout devrait normalement fonctionner, au cas où on ait une ou deux bandes LED qui viennent à tomber, c'est-à-dire que le scotch ne fonctionne pas très bien, on a un kit d'avance. Donc petit bon point pour NZXT. Et enfin ici, on a des petits scratchs et des petites attaches arrière serre-câble pour organiser le tout. Au niveau de l'installation, les bandes LED sont donc à placer à l'arrière du moniteur de telle manière qu'on obtienne deux canaux différents qu'on va brancher directement sur le petit boîtier et en USB sur son PC. Ensuite, on télécharge la petite application Cam. Ici, on va dans Smart et on va activer donc le mode ambiance qu'on va appliquer donc au channel 1 et channel 2. Et on obtient directement donc le derrière un fond de la même couleur qu'on a devant. Donc un truc blanc, vous voyez, ça suit en fin de compte ce que j'ai affiché. Donc on va peut-être s'attaquer à... On va peut-être regarder une petite vidéo et on regardera également un jeu. Donc nous voici sous Shadow of Tomb Raider. On va se balader un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Bah, déjà, rien que le mouvement de la caméra permet d'avoir à l'arrière du moniteur déjà un rendu différent. Donc ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on est sur du blanc plutôt en haut et sur le bas, on est plutôt sur un orange très très clair. Donc le système a l'air de fonctionner. Bon là, il n'y a pas grand chose à voir. On doit aller par là, par là-bas. Même des enfants qui jouent dans l'eau. J'aimerais bien aller dans la forêt. Enfin, si on y arrive. Je sais pas. Normalement, on devrait avoir plutôt une ambiance assez verte. Allez, on va dans l'eau. Voilà, donc là on a quand même, alors c'est toujours pareil, j'espère que vous voyez, mais on a un rendu donc derrière qui tire sur le vert un petit peu partout. Et vraiment selon la position de ma caméra, je peux même partir sur du blanc dès qu'on commence à arriver vers le ciel. Donc, par contre pour en profiter, il faut vraiment avoir une pièce qui est assez obscure. Donc on va peut-être regarder ce que ça peut donner cette fois-ci avec une petite vidéo. Tiens, on va passer par là. Et vous voyez, donc là, j'ai même quasiment plus d'éclairage. Voilà, on va peut-être regarder ce que ça donne avec une vidéo. Donc là, il s'agit d'une présentation qu'on a faite il y a déjà un petit moment du H700i de NZXC, c'est un boîtier. Donc ici, il y a pas mal de petits changements de plan, même différentes ambiances. Donc on va peut-être regarder juste l'introduction pour voir ce que ça peut donner. Donc on va se mettre plein écran et on y va. Thank you.
Bonjour à tous, nouvelle présentation donc de ce fameux kit ambiance RGB de NZXT. Pour rappel, il est annoncé à 99€ et il est déjà disponible. Je vous donne rendez-vous très très prochainement au niveau de la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas, petit pouce en l'air, ça fait très très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt. Le rendu de vos matériaux, enfin de vos matériaux composants, mais pas peu. Va. Hello.